Mademoiselle, tenez, je suis bienvenue. Petite manipulation. Rip. Voilà. Tiens, bouffe. Et soudain, Jill redevint fraîche. Allez, c'est intérêt à marcher. Et qui veut lui pousser des couilles à Jill, tu vas voir. Dans la recette R8, il recolle ses membres avec de l'eau évidente. Ouais, mais autant ça s'est expliqué, c'est entre guillemets cohérent. Si tu prends le truc. Oh putain, j'ai cru que t'étais Godzilla, frérot. Putain. Tyrell. Qu'est-ce qui s'est passé? Et tu m'as laissé un Godzilla, espèce de bâtard! Ah, pénible. Les survivants encore présents dans la ville sont priés d'évacuer immédiatement. Ceci n'est pas un exercice. Alerte à tous les citoyens. Ça nous laisse qu'un jour. Il reste des survivants en ville. Va dire ça à l'oncle Sam. Merde, ils arrivent. Ok, reste là. Je m'en occupe. Oh putain, mais il est de mitraillette. Prends-moi sa mitraillette, frère. Je ferais mieux de m'équiper. Ils ont l'air sacrément. Je pense aussi. Alors, j'ai quoi? J'ai une grenade, j'ai de la weed, j'ai de la super weed, j'ai 3 grenades flash. J'ai quoi dans le coffre encore? J'ai un autre spray. J'ai un autre spray et encore des munitions de fusil d'assaut. Je prends les munitions de fusil d'assaut. On en a jamais assez. Ouais, on va prendre ça. On va prendre ça, les frérots, ce sera suffisant. Est-ce qu'on veut voir un mort? Comment ça? Comment tu comptes t'y prendre? Ah, appuie sur le bouton, connard! Sécurité de l'hôpital. Toi, retiens-les pendant ce temps-là. Ouah, le mec, il a soulevé des barils comme ça, à main nue, frère. Et c'est même plus des darons qui soulèvent, lui, c'est autre chose. Ok, les frérots, alors attends. What the fuck is this? Et maintenant, la fête commence. D'accord. Donc là, il y a un frérot, deux frérots, des munitions pour pistolet que je vais laisser là, pour le moment. En gros, on va dépenser quelques balles avant, les frérots. Alors, attends. Parfait. Pourquoi t'es pas immobilisé, toi? Oh, pardon. Ouais, vous avez vu, je lui ai tiré dessus sans faire exprès. Énorme. Oh, non. Quoi? Espèce d'enfoiré de merde. Casse-toi, toi. D'accord, et je dois défendre ça en fait. Oh pardon frérot, je t'avais pas vu. Juste, si je spamme pas la touche, il se passe quoi puisque je prends un coup même en spammant? C'est quoi, c'est je clame s'instant? D'accord. D'accord, ils explosent tout simplement. Ok. Ça fait beaucoup de frérots là. Mais il a baissé les volets du haut ou quoi? On va aller chercher les autres balles. On va regarder l'objectif vite fait, protéger Jill, d'accord. Pas l'autre, hein, juste Jill. Jill, c'est tout ce qui compte. Ok. La saturation du son. Il y a encore le son qui bug, les frérots. Bug de son de merde, ouais. Il faut que je trouve ce que c'est, les gars. J'ai mis à jour ma carte graphique et tout, ça a rien fait. Hein. Donc je sais pas quoi faire, les gars. C'est un bug que j'ai subitement pour aucune raison, j'en sais rien. Oh putain. Va te faire enculer, putain. Est-ce que le son c'est mieux ou pas? Oui, c'est toujours pas amélioré. Ce fils de pute. Parce que du coup, le son, pour vous expliquer, c'est pas OBS en fait. C'est pas OBS, genre juste OBS. C'est genre
dès que je partage mon écran, il y a des bugs de son à des moments. Et je sais pas du tout ce que c'est, j'en ai aucune idée, les gars. Je sais pas ce que c'est qui fait ça. Mais il y a un truc qui fait que mon son, il déconne. Et je saurais pas vous dire quoi. Mais il y a un truc qui fait bel et bien déconner le son au taquet. Donc, les frérots, I have no idea. Mais c'est le cas, c'est comme ça. Faut faire avec pour le moment. Faut que je trouve comment faire. Mais et j'ai cherché sur des forums et tout. Au pire, vous cherchez et regardez si... on a compris, les gars, que le son est bugué. Je peux rien y faire. Si vous connaissez une solution pour ça, ça me va. Mais moi, j'ai cherché partout. Je n'ai aucune solution. Et c'est la retransmission du son qui déconne. Genre, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, la retransmission de mon son, de par mon PC, quand il retransmet le son, il fait de la merde. Et il fait saturer le son comme ça. Là, hier, je streamais mon écran sur Discord, ça a fait le même bug de son dégueulasse. Le son, il est revenu ou pas? Attends. D'accord, il y a des grenades ici, une sacoche, très bien. Le son est bon là. Oui, les gars, c'est vraiment un son, c'est vraiment un bug qui vient d'un coup comme ça. Attends, par contre, casse-toi, s'il te plaît. C'est vraiment un son qui... Un son, putain, ça fait deux fois que je dis son. C'est vraiment un bug qui vient d'un coup et qui part d'un coup. C'est ça, en fait, qui me saoule. C'est que si le bruit, il était constant ou j'avais un bug constant, ouais. Mais genre, ça bug et... Bien sûr, nique ta race, toi. C'est vraiment ça bug et ça revient tout seul. Et j'en ai aucune idée. Je vais essayer de regarder après, à la fin du stream. Je pensais que c'était OBS qui déconnait, mais non, en fait. Dès que je stream mon écran, enfin, dès que je stream quelque chose, vraiment où je stream quelque chose, il y a le son qui déconne. Je vais essayer de contacter Windows directement, parce que Windows, ils sont stock en vrai. Oui. Merci. Ok, on a quoi là? Non mais il me pète les couilles lui! Oula! Pardon frérot! Eh oui! Cardan pour fermer des fenêtres. Non mais il est immonde hein, mec. Hein. Je pense à se demander à quoi il sert, tu sais. Ok. Bah une grenade et c'est réglé, non? Là, regarde. Tu fais juste ça. Alors frère, ta formation, mec, je pense que... Je pense qu'ils sont mieux formés en CAP chiotte, frère. C'est quoi ce lancer de grenade que tu viens de me faire? Attendez. Mais il est complètement bourré lui hein. Attends. Non, je prends juste mon déo s'il te plaît. Excuse-moi parce que je sens vachement mauvais des aisselles. Tenir jusqu'à l'explosion. Ça devrait aller hein. Ah, attendez. Je prends juste ça. Ok. D'accord, et ça se régénère en fait. Devil, c'est japonais, je crois. Oui, c'est japonais. Comme c'est japonais. Ok. Oh, nickel. Et toi? J'ai connu mieux. Mais au moins c'est fini. J'arrive.
vaccin a l'air de marcher. Bien. Elles redeviennent toutes belles. Et tu vas faire quoi? La ville est sur le point d'être plus... Mais tchag, s'il te plaît, appelle le gouvernement. Dis-leur qu'on a trouvé un remède. Gagne du temps. Faut toujours qu'ils jouent au monde. Ah, petite phrase. Dis les belles gosses, oui. En fait, il y a des plans où elle a un cul bien bombé et bien rebondi, comme on les aime, hein. Et des plans où elle a un cul, genre mon arrière-grand-mère a plus de cul. Évidemment, maintenant elle est toute seule. Jill. Oh. Dieu merci, t'es vivante. Oh oui. Bon, j'ai vraiment pas envie de t'embrasser, frérot. Je veux pas être la caméra en première personne si je te chope, hein. La ville est sauvée. J'embrasse pas trop les mecs, quoi. Non, c'est un cauchemar encore. Faut que je clique? Ah non. Da Chunky! Qu'est-ce qui se passe? Oh. Alerte à tous les citoyens. Le missile sera lancé sur Raccoon City dans quelques heures. Oh. La charge est suffisante pour éradiquer toute forme de vie biologique. Il ne suffirait pas pour rester dans la ville. 1er octobre. Immédiatement. Je répète, non. Évacuer immédiatement. C'est impossible. Et si? Ok. Ah, on a des vraies armes, ça y est. Ok, on avait les poudres. Attendez les frérots. On va voir quand on va sortir. Mais j'ai récupéré une sacoche. Si je l'avais laissée, est-ce que Jill aurait pu la récupérer? Parce que j'aurais préféré largement avoir beaucoup de place sur Jill que sur... Mr. Carlos. Carlos, el vendeur de tacos. Ça devrait aller là. Ça devrait aller ce qu'on a. Ok. Everything I know I am. You should go and play yourself. Oh. Oh. J'apprécie. Mais j'apprécie. Mais j'apprécie. Mais j'apprécie. 9 mm et 9 mm. Ok. G18. Fallait 3 coups. Ok les frérots. Ok, on va faire un truc, vite fait. On peut pas. On peut pas. On peut pas, putain. Pourquoi on peut pas désassembler? Les gars, pourquoi on peut pas désassembler les pièces qu'il y a sur lui? Genre, en vrai. Mais là on peut retirer les éléments, pourquoi là on peut pas? Attendez, j'aurais pu les mettre, vous pensez, ou pas les éléments dessus? Je sais pas. Bon, de toute manière, j'ai envie de tester celui-là. Donc, on va garder celui-là. Et le G19, on le gardera pour si jamais on a plus de balles. On va re-sauvegarder, du coup. Merde. Hop. Puis ça se met sur une arme unique, d'accord. Ouais, en chaussette. Sauver la vie. Non. Moi, j'ai fait que dalle. Bon, merci, Carlos. T'as porté jusqu'ici et t'as soigné. Le mec est dingue. Où est-ce qu'il est? Parti au sous-sol. Bardi a stocké le vaccin. Il y a peut-être encore un espoir pour la ville. Je crois quand même pas y arriver tout seul. Je vais aller le rejoindre. Attends, t'as pas vu à la télé? Il faut rayer la ville de la carte. J'essaie de contacter quelqu'un, n'importe qui, en mesure d'arrêter ça. Laisse-le faire son job. C'est un pro. J'ai vu ça, ouais. Moi aussi. C'est pas esquiver une attaque, mais c'est un pro. Prends pas le droit des comptes. J'arriverai pas à te dissuader. L'entrepôt se trouve sous nos pieds. En dessous de cet hôpital. J'ai perdu contact avec Carlos. Attends-toi au pire. Merci d'être aussi rassurant. J'ai besoin de gens comme toi dans ma vie. D'accord. Il y a une caisse ici. Dans ce couteau, il y a marqué que c'est un couteau quoi, lui? Couteau de survie, d'accord. Ok, je vais la poser immédiatement. Parce que sinon, elle va juste m'encombrer et me péter les couilles. Hop.
Tac, sachant qu'on a déjà deux objets de soins. Ok, j'ai trois grenades incendiaires. Encore? Putain, si c'est encore une plante verte, ça va. Coucou! T'étais pas mort, toi? Non. What? C'est un peu complexe à utiliser, cette merde. Ouais. Non, mais ça... Les gars! Il est par terre! Il est par terre, le frérot. Bon, on va arrêter d'utiliser le couteau pour essayer de finir les zombies. On va tout le temps utiliser des balles, parce que chaque fois, je me fais mordre comme un débile. Genre, chaque fois, ça n'a aucun intérêt, en fait. Je me fais juste mordre. Ok. Donc là, on peut crocheter, du coup. Ta mère, la grande pute qui suce des bites en enfer. Merci beaucoup. D'accord. Ça, c'est tout un autre endroit. Alors... Merci frérot. Attends. Et bon, il est clamsé. Ok, est-ce que va y encore y avoir des gens tout bables là? Je suppose que Jill elle pourra ramper sous les trucs. Je fais une supposition hein, mais je pense. Parfait. Munition pour Magnum, d'accord. Donc on va avoir le revolver Hawk mon cul là. On va fouiller tout ici. J'adore faire ça, regardez. On dirait qu'elle a... Genre qu'elle a froid. Là-dedans, apparemment, il y a un truc à prendre. Ouais. Je pense aussi. Qu'une place, c'est un peu pénible. Bonjour! Moi, ça faisait longtemps! J'ai cru que je l'avais raté! Attends, reviens, frérot. Bouge pas. C'est bon. Ok, il y avait un truc à crocheter ici. Impeccable. Toi, Carlos, comparé à Jill, c'est un gros sac. Un peu, ouais. Grenade explosive, ça j'aime beaucoup. Je préfère les explosives aux incendiaires, je pense. Oh, j'adore le soin du détail, le soin de mettre les balles dedans pour de vrai et tout. C'est vraiment ça que j'aime. J'aime les détails. C'est important les détails, les frérots. Ok. D'accord. Donc c'est avec elle, je suppose qu'on va pouvoir ramper sous les trucs. C'est, je suppose fortement. À faire. Je devrais pouvoir passer, moi et mon petit cul. Ouais, la porte, elle met des gros coups d'épaule, ouais. Ah ouais, la douceur de rien. Ok, j'ai eu peur qu'il y ait un pélo qui m'attende de l'autre côté. Ok, safe zone. Ok, on va pouvoir poser les munitions de Magnum. Les munitions incendiaires, on va les poser aussi pour le moment. Et ça. Attendez, c'est les munitions de Magnum que j'ai posées là? Ou j'ai fait de la D, les frérots? Attends. Non, c'est l'explosif. Explosif, grenade incendiaire et mag. Ok, parfait. Je dirais qu'on est pas mal. On va juste renflouer nos munitions de pompe. On n'a pas d'autres munitions de pompe, les gars? Si. Je les voyais pas. Hop, impec. On peut sauvegarder là. Nya. Okay. Alors moi, ce que je me pose comme réelle question, c'est... Coucou, chef. Il y a un frérot derrière. Putain, je l'ai entendu à des kilomètres, hein, ce bâtard. Il y a eu l'écran autour, vous avez vu? Il y a eu un truc, ça veut dire quoi? Que c'est un coup critique, un truc comme ça?
Il était vivant l'autre bâtard derrière. Non mais mec, le pire c'est que c'est eux que j'ai testé tout à l'heure. J'ai pris la sonde anale, je leur ai mis dans le cul pour voir si justement ils dormaient pour de vrai ou pas. Deux frérots de moins et un dernier frérot de moins. Parfait. Elle est vivante aussi, elle a tous les coups, mais on va pas la déranger, elle dort profondément. Ok. Ok, impeccable, on a tout pris. Il m'a tout mis. On va pouvoir passer dessous. Oh, elle a dit exactement et précisément la phrase que j'avais dit. Mais exactement quoi. Ok, on va aller voir par là. On va pas sauter par là. Salle de soins. Pourquoi la salle est encore en rouge? Il y avait des munitions pour elle ici. Attendez les frérots. Donc il y a des mines pour elle ici apparemment. Vous voyez, il y a une poudre ici. Ok. Ok, et il y a le fameux coffre à crocheter au fond, ici. Ok. Les billes, tu parles des balles de ce pistolet? C'est un peu, ouais, c'est un peu une honte. J'admets facilement que c'est un peu honteux, ouais. Ok. Et de la weed rouge. Ok, on va aller de nouveau tout déposer. Parce qu'on adore faire des allers-retours, mais oui, c'est trop amusant. Attendez, on va la faire courir bourrée. C'est bon, on a gagné un mètre. T'as raté le coffre, Carlos, c'est le coffre le plus dur. Pourquoi il y est plus là, le coffre? Il a été retiré? Après, n'hésitez pas à m'arrêter du coup quand je rate un truc comme ça. Comme ça, du coup, je le sais. Il était où ce coffre déjà? Je me souviens même plus dans quelle salle il était, les frérots. Il était là? Non, il était pas. Il était là? Attends. Non, il était pas là. Coucou Lulu, comment tu vas? Pose d'infirmière, si c'était là? C'était dans cette salle? Dans la pose d'infirmière du cul là? C'est ça pour le fusil d'assaut de Carlos, d'accord. D'accord, et maintenant il est vide. Ok. Bah n'hésite pas à me le dire du coup, la prochaine fois, Didier, si je loupe un truc comme ça. C'était où le code du coup? C'est l'endroit où il y avait les doubles portes. Oui, et du coup le code c'était où? C'était ici là? Qui avait le code? Genre là? Ou tu parles en bas? Oh. Arrêtez. Mais moi je l'avais raté, d'accord. De toute façon c'est pas très grave. Hein. Ok, y a rien d'autre à récupérer ici. Non, ok, donc on peut que descendre ici. Oh là là, Jill. T'as travaillé ton parcours et pas ton atterrissage. Hein. D'accord, et le lighting. Parfait. On a dit parfait en même temps avec Jill. Je pense que je vais l'épouser. Vous êtes chaud de m'organiser un date avec? Moi je serais chaud, hein. J'aime bien Jill, hein. C'est bien mon genre de meuf. Je veux dire, vraiment. Il y avait un autre en haut. Hé, hey, on a loupé un truc là. J'ai vraiment envie de me couper les boulasses. Je pouvais pas t'aider là-dessus, ça marche. Mais tu savais pas où est-ce qu'il était le code? Genre où est-ce qu'il était? Pas par cœur, mais genre où est-ce qu'on doit le chercher? Tu sais ce que je veux dire? Le gros plan pour MDR, de quoi tu parles, Honey Wolf? Attends. Ok, c'est par là. Non, je savais pas du tout, d'accord, ça marche. C'est pas très grave. Pour un accessoire, à moins que ce soit un accessoire qui fasse. Vous one-shotez tous les zombies à partir de maintenant? Donc c'est pas ça comme accessoire, c'est pas très grave. Ok. C'était de la poudre supérieure, donc on a plutôt très très bien fait de faire ce qu'on a fait.
Allez, on va redescendre par là, ça ira plus vite. Oh, putain, elle a même la capacité de passer à travers les murs. Est-ce que cette femme n'est pas juste exceptionnelle, en fait? Organisez-moi un date, s'il vous plaît. La coup. La réceptation. Ok, c'est vrai, on doit faire tout le tour. Putain, c'était long l'air de rien de fouiller tout ça là. C'était longué hein. Coucou Lucas Tralala, comment tu vas? Bienvenue à toi. Didi, c'est Dora dans RE. Ouais, c'est... non, même pas, c'est la carte, Didi. Mais c'est la carte qui est capable de te dire de la merde parfois. Non mais. Frérot. Ferme ta gueule un peu. Culé, hein. Ouais, c'est quand même vachement mieux, hein, les explosifs. Ce qui est vachement bien, c'est que du coup, Jill ne prend aucun dégât de ses propres grenades. Et ça, c'est incroyable. Ça va très bien, Lucas, en chaussettes. En chaussettes. Ok, qu'est-ce que je peux mettre? La poudre supérieure. Ok, pour le moment, on va la laisser là. On va faire ceci. On va... Non mais ta mère! C'est bon.